Chaque mois, la même histoire pour cet ancien agent de maîtrise, aujourd'hui à la retraite. Des factures de plus en plus élevées, à commencer par l'électricité. Avant, je payais, prélèvement mensuel, 103,94 euros. Là, c'est monté à 115,88 euros. Et c'est beaucoup ça pour vous sur... C'est quand même pas mal, quoi. Mais à partir du 1er janvier, avec ce qui est prévu, l'augmentation de l'électricité, qui va prendre encore une hausse conséquente, donc ça va faire encore, donc ça va amputer en plus sur le pouvoir d'achat et sur mon pouvoir d'achat. Des retraités inquiets pour leur pouvoir d'achat et qui le font savoir. Début octobre, ils étaient plusieurs milliers à manifester un peu partout en France. De l'injustice, hein, on ressent, parce qu'on a travaillé toute notre vie. Et puis on voit que même une fois qu'on est à la retraite, il peut encore se battre. Je suis à la retraite et ça fait 10 ans que ça ne bouge pas. On fait attention à tout, on achète moins de vêtements, on gâte moins les petits-enfants qu'on ne le faisait avant. On va quand même marcher le commerce. On fait marcher le commerce et on a l'impression qu'on veut nous enterrer. Un sentiment de déclassement particulièrement présent chez les 13 millions de retraités du privé qui bénéficient d'une pension complémentaire. En 10 ans, la valeur du point servant de base au calcul de leur pension a été revalorisée de 5,71% pour les salariés, 5,50% pour les cadres. Bien loin de l'augmentation de l'inflation sur la même période, 9,88%. Une perte de pouvoir d'achat qui va s'accentuer encore un peu plus dès le mois prochain. À partir du 1er novembre, les retraites complémentaires augmenteront moins vite que l'inflation, jusqu'à 0,5 points en dessous. Objectif, redresser les comptes du régime mis à mal par la crise sanitaire, mais aussi maintenir l'équilibre du système. Une orientation défendue par le patronat. Quelle génération on privilégie ? C'est ça la question finale. Là, on demande un effort effectivement de 0,5 par rapport à l'inflation sur les générations qui profitent actuellement de leur retraite, mais on préserve les générations futures. Un effort de plus, 3 ans après la fronde des retraités en début de quinquennat. En cause à l'époque, la hausse de la CSG. Une promesse de campagne du candidat Macron, mais que le président, une fois élu, a eu bien du mal à faire passer. Ah, vous nous avez vraiment pompé. Hein. Non, c'est pas vrai, mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. Oui, mais je vais vous expliquer. D'abord, on a travaillé toute notre vie. Mais vous avez travaillé toute votre vie, pourquoi ? Ben pour avoir une retraite, hein. Non, si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. C'est un système qui marche comme ça en France. Face à la pression des retraités, accentuée par le mouvement des Gilets jaunes, l'exécutif avait fini par reculer. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Un mea culpa insuffisant aux yeux de Patrice Ligonnière. Avec 1700 euros de retraite par mois, lui se sent toujours oublié par la politique d'Emmanuel Macron. Il a continué, je le regrette, il a continué les politiques précédentes. On n'a pas été aidé du tout, au contraire, entre les belles paroles qui sont distillées et les actes, eh bien, c'est moi, on juge, enfin moi aussi, personnellement, je juge aux actes. On ne demande pas la lune, je vous dis, on demande de vivre simplement notre retraite. Une préoccupation sans doute partagée parmi les 16 millions de retraités qui voteront à l'élection présidentielle dans 6 mois.